Attends, Daniel, prends un peu le nom là. Ça va un peu travailler. Ah, bon, vas-y. Bon, bon. Est-ce qu'on va pas faire l'autre? Tu sais, c'est le sable là qui a mangé ici. La roue, il a tout bouffé. Bon, ça ne fait rien. Je veux faire notre plat. Pique, pique encore. On va lever un peu le fil en haut. Parce qu'il y a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup là qui ont disparu. Non, dans deux ans comme ça. Tout ça là, on ne voit plus rien. Pourtant là d'où tu es partout, là, il y a des corps. Tu crois qu'il n'y a pas de corps. Partout où tu as, là, il y a des corps. Toi-même, tu es assis sur. Tu dois être assis sur quelqu'un comme ça. Tu es assis sur quelqu'un. Tu es assis sur quelqu'un. Tu es assis sur quelqu'un. Même nous, on est sur quelqu'un comme ça. Sauf moi. Mais tellement on n'a pas arrangé, ça a disparu. Mais si tu commences à creuser, tu vas voir les ossements humains. All these people. All these people that die in Karita home. Are there people aware back home that they die here? Or only some of the parents aware? You understand? You understand? Oui, tous sont au courant. Hein? Sauf si je me trompe, peut-être le Guinéen. Le Guinéen, je pense, parce que son sac encore au centre. Lui, on n'a pas pu entrer en contact avec la famille. Parce qu'il y a certains cas qui arrivent. Par exemple, le dernier que nous avons enterré, l'Ivoirien. Hein? Quand il est arrivé, il a pu avoir le contact d'un membre de la famille. Raison pour laquelle même les migrants qui passent maintenant là, dès qu'ils traversent, dès qu'ils arrivent au centre et qu'il est à partance, on enregistre, on fait tout toujours. Si vous voyez dans la fiche là, le numéro de quelqu'un de la famille qu'on prend là, au pays là, on ne le prend pas au hasard. C'est pour dire que si on ne sait jamais, si demain quelque chose arrive de l'autre côté, même si c'est de l'autre côté, on nous demande, on va dire oui, il est passé chez nous, voilà le contact de la famille, au moins informer la famille. Chaque année, des milliers de migrants échouent aux portes du Sahara dans la ville de Gao, au Mali. Certains sont sur le point de tenter la traversée. D'autres sont sur le retour après un périple harassant. Ils viennent de toute l'Afrique, mais aussi du Pakistan ou encore du Sri Lanka. Ils sont sur le chemin depuis des jours, des mois, voire des années, pour tenter de rejoindre l'Algérie et l'Europe. À Gao, la maison du migrant leur offre un refuge éphémère. J'y ai passé près de 2 ans afin de recueillir leur récit. Moi, je ne te connais pas beaucoup. Donc, ici, c'est la maison des migrants. Je vais vous expliquer en bref ce qu'on fait. Donc nous, on accueille des migrants ici de tout genre, qu'ils soient en partance ou de retour. Et pour ceux qui sont en train de partir en Algérie, vous pouvez vous préparer et préparer votre départ pour continuer. La maison des migrants n'aide pas des migrants à partir en Algérie. Et pour ceux qui veulent retourner chez eux, il y a le retour volontaire que nous-mêmes, on peut vous faciliter à rentrer ou bien l'OIM qui peut vous faciliter à rentrer. Vous comprenez? Et les papas?
Abri Molsi d'abord, Ouattari ou Arini Abana. Son de Taranola à Dragoden parce que Mbora Gabi pour Gata, Maroc, Madou Europe. La femme. Son si ça m'fra la Borso Warite pour Gata, Nyaro Kore. Apparemment, c'est ça m'badou à Jibim Bemuru, Kofi. La femme. Mata Gambi, Mata Business Kaye. Que Allah me connaît, Noya la donne. Donc, si ça. Il y a une maison d'immigrants, il y a une maison d'immigrants, Après, vous allez revenir vers moi. On va poser un peu par rapport à votre trajet. Est-ce qu'il y en a confiance en numéro là? On connaît un qui y en a moins pour placer dans ma dame. On est dans notre dame comme il faut. On se voit, on se voit, on a mis les affaires. Je suis venu à la maison. Je ne connais pas si tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Mais tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de. Parce que tu es un peu plus de temps. Depuis que tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps. Depuis que tu es un peu plus de temps, tu es un peu. Am se ka sero dro do ba famo ko akuna ini sran ta se mo ko bona fa mo ma meta ma fa nga ta ka ta ko ba la ko ni wa la to ne ti sra ka fa ma bibi na ne re be ndi sra fu ni na kon tu mta e ko la 3 jours ta ma vini ko ma programme so ne be ke musicien yi so ne be do wa theater ke so ne ko mo fa nga ke box pratique o sa ba le ko. Parce que nek nga bara femi comme ne box la kan box na nek ngom box ni ken akara ko i yere exprimer douleur ni biran i bale de be bor yere la quoi. Dis pas que c'est parce que toi tu étais là-bas que tu connais tout ce que lui. Que... Moi je connais ça là parce que là. Il n'y a pas de plus que ton ami, parce que nous on connaît ça. Je suis d'accord. Il a passé mon arrêt là, Sarah, il a fait 4 fois.
commencé, une fois il partait comme ça. Est-ce qu'on t'a foutu là? Plusieurs fois. Pitié dans Sarah, c'est fini. Et si il arrive à vous bloquer là-bas, qu'est-ce que vous pouvez faire là-bas? On vous fouille et puis on vous torture. Voilà. Sinon, en 2014, hein, 2014, 2015, de 9 barrages, vous payez chaque barrage 10 000. 10 000 chaque barrage. On vous, quand tu dis t'as pas l'argent, ok, on te met de côté. On finit là, qu'est-ce que tu le montes? Tant que tu n'as pas l'argent, on te fouille. On te déshabille complet. On te fouille. Sarah, là, c'était l'enfer. Je te jure. Moi, j'ai vu, hein, en 2015, on partait en Algérie. On a quitté Gao ici. On est pas tombé sur les groupes des armées. On nous a arrêtés, nous tous. Ils nous fait coucher par terre. On se lève. Il y a une maison qui rentre dans la maison. On nous fuit. Ils ont tous des bandits. Oui, oui. Ça, nous, ça tout le barrage, là, c'est un barrage improvisé. C'est un barrage de baf. Mais ce qui est bizarre, il y a beaucoup de groupes des armées dans le Sahara qui ne se connaissent pas. Il y a fait rien. Il a fait un pire cauchemar encore en Libye. Il a fait 6 mois en Libye. Moi, il a fait 6 mois en Libye. En prison. Quand tu quittes Gao, pour aller vers où? Quand tu quittes Gao pour aller à Tombouctou, tu passes par. Taoudeni. Regarde, voici Taoudeni ici. Voici l'Algérie ici, la Mauritanie ici. Les pistes balisées, dont non balisées qu'on connaît, c'est la piste ici, avec les points d'eau que tu vois ici. Voici Tessaline, là où il y a les bases militaires françaises. Ici maintenant, voici Aguerhok. Quand tu quittes Gao pour aller en Algérie, tu coupes directement dans le désert si tu connais la route. Parce que voici le désert, tu vas tomber directement ici à une affaire sans passer par Taoudeni. C'est une zone couverte entièrement par. Al-Qaïda, les bandits là. Mais y a, les Français vont partir 24 heures, tu vois, dans la zone. Maintenant, où quelle zone? Les zones ici. Depuis 2016, ne bois la famille là. Bé, Akilina, la Bibina, ne verra la Nébé, Fraga Yamanana. Bé, Akilina, la Nébé, Fraga Yamanana. Vraiment, il y a un tagala, vraiment famille qui a soutenu. Financièrement, il y a une famille qui a dépensé là. Strakabo, il y a une famille qui a strakabo, Dwaldou, oui, Dwaldou. Alintra Balastrala, Albio, oui, Dwaldou. Il y a quelqu'un qui a été tchéna mourou. Mais moi, je suis un peu plus de 10 ans. Mais je ne vais pas faire de la même chose. Sinon, bon, Bibina, Wallaï, quand vous voulez dire que vous êtes Al-Kambaïre, vous voulez dire que vous êtes comme Yanko, vraiment, ça ne va pas. C'est toujours la même chose, vraiment, à Malabina. Quand vous dites que vous êtes aventuré, vraiment, à travers le boulot, vous êtes là, c'est Ibn Amoufoua. Esther, les informations que moi je demande te concernant, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour pouvoir t'aider. Parce que tu ne peux pas me dire, tu n'as pas d'acte de naissance, tu n'as pas de parents, tu ne connais pas dans quel pays tu es né, tu ne connais pas ton nom de famille. Ça, c'est beaucoup, Esther. Tout cela, c'est beaucoup. Même si tu n'as pas de père, là, tu devrais porter le nom de ta maman. Dans le minimum, là, si tu as besoin de notre aide, tu dois m'expliquer. Et comme je te dis, je ne suis pas obligé de t'amener là-bas contre ta volonté. Si tu ne veux pas rentrer, je ne suis pas obligé. Et c'est la même chose que je lui ai dit.
Elle m'a parlé. J'ai dit, si tu ne veux pas partir, je ne peux pas t'amener là-bas. Mais le minimum, c'est que, comme je l'ai dit, il faut informer la maman là où tu te trouves. Au moins qu'elle sache que tu vas bien. Elle a la vous avez la chance que vous n'aviez pas continué en Algérie, vers l'Algérie. Et si vous êtes ici là, restez-vous, peut-être Dieu va faire vous aller tomber dessus. Toute fille qui passe sur cette route-ci, à peine à 1 km, dès qu'il laisse Gao 1 km là, c'est le groupe armé qui contrôle cette zone-là. Je te jure, vous allez servir d'objet sexuel. Vous deviez les servir d'objet sexuel. Et je lui ai dit, en 2014, il y a une fille qui est restée, une fille camerounaise qui est restée en captivité là-bas pendant 8 mois. Tout le monde couchait avec elle. Tous ces bandits de groupe armé la couchaient avec elle. C'est les Sénégalais qui ont payé, je crois, 175 000. Les travailleurs saisonniers là, ils savaient qu'il y avait un centre ici. Parce que c'est ici qu'ils dorment toujours quand ils partent. Ce sont eux qui ont payé, l'a ramené ici. Et quand on l'a amené à l'hôpital, elle était à 2 mois de grossesse. Il va falloir maintenant que vous réfléchissez. Je peux vous aider à faire une formation. Je m'en fous du nombre de temps que ça va prendre. L'essentiel que vous apprenez, que vous soyez autonome. Au lieu d'aller vadrouiller en Algérie, parce que même là-bas, qu'est-ce que tu vas faire, Esther? Ce n'est que ça. Ce n'est que la prostitution. Tout ça. Les maladies, tu peux tomber malade, tu peux attraper le VIH. Tu comprends, petite sœur? Maintenant, tu as un peu de force, mais bientôt, la même force, tu n'auras plus. C'est pour ça que je t'en supplie. Je te dis, s'il te plaît, même si t'ont rejeté là, dis-toi que tu as eu une autre famille d'accueil ici. Il faut vous stabiliser. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à marcher comme ça. Et encore avec l'insécurité qu'il y a dans le Sahel là. Tantôt les bus montent sur les mines, tantôt on égorge les gens dans les villages. Tu suis ça, non? Voilà. Si vous tombez dans un village comme ça, vous allez faire comment? Je ne souhaite pas. On touche le bois que ça n'arrive pas, comme on dit chez nous. Donc, quelque part, il faudrait que vous essayiez de me faire confiance. Hein, ça? Petite sœur, tu me suis? Petite sœur? Tu me suis? S'il te plaît. Vous croyez que vous êtes le seul à traverser ces difficultés-là? Non. Moi-même, j'ai traversé les difficultés que vous avez traversées là. Pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui là, c'est parce que je me suis confié à quelqu'un. Et cette personne a décidé de m'aider. Et c'est cette personne-là qui a créé le centre, ce que tu vois là. J'ai dormi sur le banc ici. C'est lui qui m'a récupéré 3 mois par terre. Je me cherchais. Ça n'allait pas. Donc, sur cela, si je suis dans ce centre-ci, c'est pour empêcher que ce genre de choses-là n'arrivent aux autres. Je peux te garantir une chose, je ne veux pas t'obliger à rentrer là-bas. Mais qu'ils sachent au moins que tu es à tel endroit et tu vas bien. Même s'ils ne veulent pas entendre parler de toi, je vais m'envoyer la nouvelle. Mais moi je comprends pas. Toi je me dis, tu as quitté ton patron. Toi tu as d'abord laissé l'école. L'école là, tout le monde dit ça a fini. Toi tu as laissé. Et retrouver ce que je vois mes amis, ils sont là. C'est ça moi aussi dit. Bon, maintenant tes amis qui t'ont fait voir Facebook là, eux ils sont bien ils voient. Si. Ils ont déjà bien. Mais c'est pas là ils sont passés. Oui. Attends, c'est pas Bomoko, Tombouctou, Boy. Voilà, Boy, c'est là où ils ont passé. Ils ont passé par là. C'est tes amis. Mais toi, tu n'es pas passé. Tu arrives à Boy, toi, tu te retournes. Attends, c'est Facebook là qui t'a. Ça a volé ton esprit, quoi. Attends, on parle. Et puis, Facebook, ça me fait mal, ça me fait non, mal. Non, je crois que ça te fait mal dans la vie. Quand les gens me voient, ils commencent à crier. Tu es encore petit, il faut te faire. Que j'ai connu plus petit que toi. Et il est où là? Voilà. Ça veut dire que Mori Waju, Mori Waju, Kadese, Kokanata. Ça veut dire que Nyere Kanye Kanye. Oui, Yere Waju.
conseiller. Ça veut dire que Eko Dogie, Mumbi ou Wadjou, pour qu'il a séguit. Je suis là. D'ici, nous avons eu un peu de temps. Ne tarali mogero fo ne maltreto yoko bela jeni lanika. Kele nyere le banane duskuna katimi. Ne ba le fache mine ale ne firi mogere ma. Ori ma jane duskuni. Londo ne tarun tarun afoka ta be mo nyumando ma. Oye ne mine kane la doro kane ke yumadi. Ça va? Tout va bien. Essaye. Est-ce qu'il va trop de sol? Il va frapper. Bon. Il laisse le rôle. Ça n'a raté. Hakili Bana. Il faut que souvent Hakili garde la fia. Donc, ou bien. Sans ça, il y a un peu de questions. Bon, on va t'attendre. Et vous m'avez attendu? Je suis là. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. La poussière de Kaola, c'est pas bon de garder la cheminée à l'extérieur. Elle est très belle, la femme blanche là. Mais quand elle vient poser avec toi à la fenêtre là, vous causez de quoi? Elle te dit quoi souvent? Bon, elle dit qu'elle m'aime. Qu'elle t'aime. Oui. Et toi aussi, tu dis quoi? Moi aussi, je l'aime.
Mariko, et tu dis comment quand tu dis ça? Est-ce que tu baisses la tête comme ça là? Soulève la tête comme ça, Mariko. Tu dis comment? Bon. Je l'ai dit. Je l'ai dit si elle m'aime. Mais moi, j'aime de se marier. Elle a dit qu'elle est donnée à moi. Qu'elle se donne à toi? Oui. Soulève comme ça, j'arrête ta part. Qui veut la fois se coiffer? Il y a quelqu'un? Toi, tu veux pas te coiffer? Moi, j'aimerais savoir quand nous allons quitter ici pour aller au pays. Au pays. Aux différents pays. Je ne vous apprends pas. Vous savez bien que pour les départs ici, c'est les convois qui décident. Quand est-ce que vous partez? Hein? If you are here still today, it's not what we wish, but the condition of the road. The road is not good. Every time it's military people who take people from here to Bumbuli. That's why every day we cannot get buses. That's why you are here. Le prochain convoi qui sort, ça je peux vous le garantir, le prochain convoi qui sort vous amène jusqu'à chez vous. Pourquoi tu joues l'idole à toi seule ici? Dans la chambre, quand on te dit de venir, on va jouer, tu ne viens pas. Pourquoi? C'est pas bon. C'est ça, je veux. Tu veux jouer? Tu veux ça reste. Oh, mais comme tu ne connais pas. J'ai prié, non? Quand j'ai prié. On sait, tu t'assois là. C'est le matin, c'est midi, c'est nuit, tu fais caca. Ici là, tu fais pam. Oui, c'est ça. Alors que nous aussi, on avait envie de jouer avec toi. Si tu vas jouer, là, si tu dis Natacha, elle répond, tu vas venir m'appeler, on va jouer. Ou bien tu vas appeler. Quand j'ai appelé avec toi, c'est bon. J'ai appelé seul, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais comment ça, tu fais pour jouer seul, même tu n'as pas de partenaire? Comment tu fais pour jouer? C'est ça que tu veux, non? C'est ça que tu veux. C'est ce que tu veux. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Pour sortir, bon. Tu vas c'est jouer. C'est bon pour moi. Quand c'est moi là, c'est bon. Tu vas jouer avec nous comme ça là, c'est bon. Mais si c'est quelqu'un là, la personne lui a dit. Moi, mon âge là, c'est comme ça. 16. 16. 16 ans. Moi aussi, j'ai 16 ans. Toi aussi, 16 ans. Oui. Toi, t'as quel âge? C'est ça. Toi, t'as 16 ans. Non. Combien? Tu as dit, hein? Tu vas voir, tu vois. Attends, je vais. C'est comme ça. 72, c'est ça? 48. Tu nous as doublé combien de fois? Tu as fait combien d'années ici? 5 ans. Tu as fait 5 ans ici? C'est pas 10 ans, c'est 5 ans. Donc, tu as voyagé avec les autorités pour venir
ici, ou bien c'est pour aller au Soudan. Pour venir ici. Tu as perdu le dossier ou bien? Non, non. Tu as perdu le passeport? Non. Il y en a. Il y a tout est là. Sens. Tout. Quand tu causes comme ça avec nous là, tu es heureux. Tu es content. Parlez avec happy, nous. Happy, happy. Il n'y a pas de problème. It's fine. C'est bon. C'est bon. It's good. It's good. Et quand tu causes avec nous comme ça là, tu te souviens de ta famille, non? C'est ça, on l'est. C'est bon? C'est très bon. Souvent, est-ce que tu t'assois comme ça et puis parler avec tes parents comme ça? Causer avec ta famille? Tu causes comme ça avec ta famille? Oui. Donc, quand tu causes avec nous, tu te rappelles de ta famille comme ça? Bon. Non. Ni Sahara tigɛ ka taa don I bɛ don yɔrɔ min na bon ni fana ye mɔgɔ min ye bon a bɛ dɔn o de fɛ quoi mɔgɔ caman de c'est à dire nka n yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw ye c'est à dire nka père de famille dɔw ye mɔgɔ min yɛrɛ bɛ taa ne fa si la o kɛra fatɔ ye dɔw bɛ mun kasi n'a bɛ nin don ne désert ma Sahara ni an b'a fɔ la an bɛɛ de deliver us from destruction. Tu peux mourir à n'importe quelle heure que tu n'as pas donné rendez-vous. The people say he is preaching like one with authority. Sahara not like those Pharisees that can predict and prophesy the laws. On s'est égaré, on a fait 9 jours. On ne savait plus là où on était. Na frignine irité yoromna kolonté jité. Fini clamant de Désert est fermé, Fala. A tes jours, à tes tickets. L'aventurier vit que de l'inespérable. Oh, Lord of Might, Moi, en tout cas, tout est comme ça. Je me suis levé en famille. Hein, et je dis, bon, aujourd'hui, c'est un jour pour moi de ne pas dormir sur le territoire national ivoirien. Je dis, il faut que je parte. Je parte me chercher. Me chercher comment? Je vais en exil. Exil où ça? Destination que j'avais prévue dans la tête aux États-Unis. Je vais à la recherche de ce que je veux. J'ai un enfant qui va à l'école.
Moi, le seul problème pour moi, c'était de m'occuper de mon seul fils. En tout cas, je ne suis pas marié. Est-ce que tu as pensé aux risques liés à la traversée du désert? Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont traversé le désert. Ouais, puisque chaque jour, les gens traversent ça. Donc moi, si je viens, je vais réussir, je vais traverser aussi. Peut-être arriver en cours de route, ça n'a pas marché pour moi, je vais me retourner. Je vais partir m'asseoir en famille. Ce qui ne veut pas dire que ma vie est gâchée. Peut-être le jour viendra où je peux m'asseoir. Qu'est-ce que tu penses maintenant à cet instant? Ce que je pense maintenant, oui. C'est pas encore fini. Parce que la souffrance, ça est dans le destin de tout un chacun. Quelqu'un qui accepte de sortir, tu dois accepter tout ce qui va t'arriver. Sauf la mort. La mort, quand la mort va venir, là, tout est fini. Sinon, tant que la mort n'est pas là, dis-toi que tu peux réussir. L'aventure, c'est quelque chose. On commence quand on veut, mais on arrête quand on n'en peut plus. Parfois, surtout au début, quand on quitte le pays, on a tellement d'illusions. On voit l'Amérique, comme tu venais de dire, là, juste à côté. Le chemin est long. Et sur ce chemin, existe beaucoup d'obstacles. Ça vient de toutes les formes que tu t'attends le moins. Le pourcentage de réussite, c'est 0,001%, comme je peux dire. Quand tu viens de commencer, quand tu quittes encore le pays, tu penses arracher les choses tout d'un coup. Tu sens la force, tu sens l'énergie, tu sens beaucoup de l'intelligence dans ta tête. Il y a beaucoup d'obstacles qui t'attendent. Je reviens encore sur ce point. D'abord, un. Moi, les expériences que j'ai eues à vivre, c'est la discrimination qu'on te ferait dans tout point que tu arrives. Sache que tu es un homme de seconde zone. Parfois, tu travailles. Même le travail que tu parles, on ne te paye pas. Tu peux me sortir de chez toi avec 20 tonnes d'argent, tu n'arrives jamais à destination. Il y a tout ça aussi qui nous attend. Donc, le seul conseil que je peux donner à celui qui prétend encore faire de mieux réfléchir, hein? De prendre un vrai bon avant de sauter. Sinon, moi personnellement, qui est assis aujourd'hui, même à mon propre ennemi, si tu as un travail de 10% dans le pays, je te conseillerais de gagner ton 10% dans le pays que de chasser un 30% d'illusion. Je veux seulement être libre. Mais pour être libre, j'ai décidé de partir en Algérie. Parce que je sais que si je reste ici, je serai toujours ici. Ou je serai au Burkina, comme toujours. Non, on peut dire que dans mon enfance, je n'ai pas eu meilleure vie parce que je n'ai pas eu l'amour d'une mère, mais celui d'un père. Je n'ai pas grandi avec ma mère. J'ai grandi avec sa copine. Elle m'a pas. Elle n'a pas partagé son amour avec moi. C'est comme si j'étais seule. Je suis solitaire. J'ai vu ma mère que quand j'avais 13 ans. Comment ça se peut que non? Même s'il y a quelque chose, au moins c'est dans la famille. Au moins ça m'a mise au monde. Je ne peux pas la détester. C'est nul. Même si je dis que c'est ma mère. À chaque fois que je partais chez elle pour aller passer les vacances, je suis silencieuse. Elle me posait des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois. Et je lui disais qu'il n'y avait rien. Alors qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me fait très mal. Et je me demande bien pourquoi, c'est pour quelle raison elle m'a abandonnée comme ça. Pour quelle raison elle n'a pas pu m'amener avec elle. Elle m'a laissée depuis que j'avais 2 ans. Trop petit. Je ne lui ai pas posé la question.
Parce que qui suis-je pour juger sa vie? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis les choses sont devenues différentes. Après la mort de ma mère, le jour de funérailles, je suis partie. Tous les sœurs qui étaient là, ils se sont placés. Ils ont dit que ce sont leurs mères. Et moi, j'ai resté devant la porte toute seule. Comme si j'étais... C'était comme statue. Statue, lui. Ils ont fait l'enterrement. Et moi, on m'a dit de partir. Mais peut-être que mon destin, c'est en Algérie ou d'autres pays français. Mais partir encore au Burkina, c'est impossible. Même les pays qui sont autour du Burkina, je ne vais plus sentir cette odeur. Je vais seulement avancer, être libre, me libérer du passé ou tout ce que l'on a dit à propos de moi. Être fière de moi-même, gagner la vie. En tout temps, la colère m'avait menti. Jusqu'à je voulais me tuer, je voulais dire que je déteste la vie. J'ai même dit, je ne voulais pas dire, mais j'ai dit. J'ai dit, je déteste ma vie, je déteste tous ceux qui sont autour de moi. Mais depuis que j'ai mis le pied ici, j'ai compris qu'il ne faut pas détester la vie, il faut aimer la vie. Et la vie va t'aimer aussi. Même si c'est tellement douloureux, il faut supporter. De temps en temps, ça va te lâcher. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais causer comme ça, m'exprimer auprès de quelqu'un. Je gardais tous mes secrets toute seule. Depuis que je me suis exprimée, tout va très bien. Je me suis libérée totalement. Le poids lourd que j'avais, ça a disparu. Ça reste un peu seulement. Un tout petit. Thank you.
Charles. Au revoir.